Bonjour et bienvenue, nouvel épisode de la survie du week-end. Donc, on a un petit problème. Faut que je vous explique en fait ce qui s'est passé. Donc, on est prêt à partir et tout ça. On est prêt à repartir, j'ai envie de dire. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà fait deux épisodes en fait. Deux épisodes. J'en ai parlé en stream, pas mal de fois en stream et sur le Discord et tout ça. Voilà, mais pour ceux qui suivent pas ça, en gros, j'avais déjà fait deux épisodes où on était parti. C'est quoi la touche de la map? Ouais, voilà. On était parti donc du lac Mystère et on était dans la zone qui est à côté de la vallée charmante là en fait. J'en avais parlé, c'est la zone qui est à côté de Blackrock. En gros, c'est ici, je pense, dans la vallée charmante, plus ou moins. Enfin, à côté de la vallée charmante, je veux dire. Et on était déjà allé là-bas. J'avais donc fait deux épisodes dessus. Je sais pas si on peut les voir. Rivière sinueuse, je crois que c'est ça. Je sais plus exactement le nom, c'est pas grave, c'est pas important. Donc j'y suis allé. Et j'ai fait du coup deux épisodes dessus, parce que j'avais dit plusieurs fois que je les ferais, ces zones. Elles sont sympathiques et tout. Et c'est ce que j'ai fait. Le problème, c'est que ces épisodes, en fait, je les ai faits il y a longtemps, et où je suis, il y a eu pas mal de problèmes de canicule et tout ça, et quand je faisais les... quand j'éditais les vidéos et tout ça, et après je faisais les rendus, vu que c'est des rendus en 2K, ça prend énormément de temps, et mon PC surchauffe, en fait, plus ou moins, enfin, il surchauffait à ce moment-là. C'était pas le fun. Donc, du coup, je les avais mis de côté. Et le temps passe et après bien sûr le disque dur commence à être un peu plein, j'ai effacé quelques vieux fichiers et dans ces vieux fichiers, je vous montre en même temps hein, tout ce qu'on a de côté, dans ces vieux fichiers qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les deux épisodes qui étaient du coup pas édités et tada, ils sont disparus, je les ai effacés, donc on y va, on va partir, donc ouais je les ai effacés. Donc voilà. Donc en gros, ces deux épisodes, en théorie, devraient être disponibles depuis longtemps, mais je les ai effacés. Donc ce qu'on va faire... Attendez. Je crois que c'est celui-là. Ouais, 1127. Ok, let's go. Alors, du coup, nous, il faut qu'on parte... Là-bas, il faut qu'on prenne le barrage, il faut qu'on descende le barrage, il faut qu'on retourne à la vallée charmante, il faut qu'on aille à gauche de la vallée charmante. Ok, c'est bon, on a le chemin en tête, c'est bon, on y va. Donc voilà, donc du coup, j'avais fait donc, ces deux épisodes, ça m'a pris deux épisodes à peu près pour faire le tour et tout ça, pour un peu montrer et tout. Et après, ces deux épisodes, en fait, je suis rentré donc à la vallée charmante. Je l'ai fait en dehors des épisodes, ça, parce que c'était un peu long et c'était un peu redondant et pas vraiment très intéressant. Ouais, voilà, du coup, on se fait directement attaquer, c'est cool. On a combien de flèches sur nous? Non, 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 ça va. Et du coup, voilà, j'avais fait tout ça. Donc, en gros, c'est plus ou moins 3 heures de jeu, quoi. 3 heures de jeu que j'ai... comment on rentre les armes ouais, comme ça. Que j'ai un peu, on va dire, bah perdu, hein, tout simplement. Donc, très embêtant pour moi. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais quand même montrer, en fait, cet endroit, ces deux petites zones-là. Et ça va plutôt être du tourisme. On va pas trop y rester, tout ça. Mais voilà, je voulais vraiment les montrer quand même. Parce que ce sont des zones sympathiques et tout ça. Après, ce qu'on avait trouvé dans ces zones-là, c'était quoi? Alors, je crois qu'on avait trouvé un lance-fusée. Je crois. Et c'est à peu près tout. En gros, ce qui était gros, en gros. Hein, une grosse trouvaille. Je crois que c'était que ça. Donc, c'est pas énorme non plus. C'est pas énorme. Mais voilà. Donc, ouais. Donc du coup on y retourne. On va pas rester très longtemps cette fois par contre. Donc les épisodes risquent d'être un peu courts. Je vais essayer de les faire équilibrer, mais ces deux épisodes du week-end qui arrivent là seront des déjà vus techniquement pour moi, donc c'est un peu embêtant. Mais ouais. En tout cas,
Ok, la marche auto, c'est là. Ah bah oui, hein, je sais plus les touches, moi, hein, un peu trop passé de temps sur Starfield. Aussi, pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous invite à regarder la c'est dans la playlist, hein, de toute façon. La dernière vidéo, tout en bas de la playlist, ça doit être genre l'avant-dernière, si vous regardez maintenant. C'est par rapport aux nouvelles sur le DLC. Donc on a eu des nouvelles, et donc la partie 4 arriverait donc cette année, 2023. Mais en fin d'année, sûrement novembre-décembre en fait. Donc on a encore le temps, et ça m'embête que ça soit aussi tard, parce que, bon, comme d'habitude, ils ont eu des problèmes et tout ça. Donc ça m'embête beaucoup, parce que on a plus ou moins tout fait. La seule zone que je pourrais faire en plus, pour un peu patienter en fait, ça serait la zone, je crois que c'est la voie ferrée détruite. Je crois que c'est celle-là. Non, peut-être pas, je sais plus exactement. C'est la voie qui est à Muskegmorn en fait, qui est après Muskegmorn. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, hein, donc vous devez savoir laquelle c'est. Donc il y a ça, il y a cet endroit-là que je pourrais faire en fait, en patientant. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Mais voilà, on va devoir encore une fois tourner en rond un peu pour patienter, quoi. Ça m'embête honnêtement, ça m'embête un peu. Parce que là, techniquement, on a plus ou moins tout fait dans le jeu. On a fait toutes les régions, on a fait tous les gros spots en fait de chaque région, des régions les plus importantes. Ça ne veut pas dire qu'on a tout trouvé, absolument tout trouvé évidemment. Mais ça veut vraiment dire qu'on a fait vraiment les gros spots de toutes les régions. Ouais, je vais pas prendre les objets, c'est pas grave. Donc ouais. Juste quand je range l'arc, quoi. Ça va, on arrive au barrage. Et après, j'avoue que j'avais ces deux épisodes, voilà, qui ont disparu en avance. Mais pour le moment, j'ai pas d'épisode d'avance en fait. Quand vous allez voir ces épisodes ce week-end-là, j'en ai pas encore d'avance. Je vais essayer d'en faire, mais j'ai pas trop de temps, on va dire, en ce moment. En gros, si j'arrive à trouver plus de temps, il faudrait que je coupe sur les lives, sur les streams et tout ça. Et j'ai pas vraiment envie. Parce que les streams, c'est un peu le seul moment où je peux me reposer l'esprit et juste... Alors, attendez. Comme ça. Genre discuter avec les gens et me reposer l'esprit, donc j'ai pas vraiment envie de couper mes streams pour faire du The Long Dark, pas en ce moment. Tant qu'il n'y a pas de nouveauté, honnêtement, j'ai pas vraiment envie. Donc vous aurez toujours, j'espère, des épisodes le week-end, mais moins en avance en fait en ce moment. À des moments où il y avait une dizaine d'épisodes d'avance et tout ça. Donc là, il y en aura sûrement un peu moins en ce moment. Là, il y a des moments comme ça, ça tourne un peu à vide et tout. Mais après, je vais être franc, hein, si Interland était dans les temps aussi, parce que c'est surtout c'est à cause d'eux en fait, hein, tout simplement. S'ils étaient dans les temps, qu'ils n'étaient pas en retard sur ce qu'ils font. Ben, il n'y aurait pas de problème. Non, il n'y aurait aucun problème. On découvrirait les nouvelles choses et tout ça. Enfin, on s'est même pas réchauffé. On découvrirait les nouvelles choses. On serait tout le temps à trouver les nouvelles choses et tout. Donc, mais bon, là, vu que ouais, on commence un peu à tourner en rond, comme j'ai dit, c'est un peu embêtant. On va enfin avoir le travois, ça y est. Hein.
Ça y est, hein. Et peut-être le puma. Encore une fois, je le répète maintenant, pour ceux qui veulent se préparer pour la nouvelle zone, parce que pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, en fait. Hein. Pour ceux qui veulent se préparer pour la nouvelle zone. Et faites beaucoup de fuel. Faites beaucoup, beaucoup de fuel. Si vous avez vu à notre camp, j'ai 4 bidons de... Alors attendez, parce que là, il y a des fois un loup. Quoique je l'entends pas, il est peut-être encore mort, en fait. Je crois qu'il n'y en a pas de nouveau. Ouais, je crois qu'il n'y en a pas de nouveau, en fait. Ça va. Il est toujours mort. Hop, hop, hop. Voilà, très bien. Ouais, non, il y a rien. Non, on est bon. Faites le plein de fuel. Je sais pas, aller pêcher et tout ça. Personnellement, moi, le fuel que j'ai, c'est deux bidons que j'ai récupérés. Ou après, on m'avait dit, c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais jamais, c'est détruire les lampes que vous trouvez, comme ça vous récupérez le fuel en fait à l'intérieur. Alors après, je conseille pas vraiment de détruire les lampes, parce que moi personnellement, j'aime bien mettre des lampes en fait. Tais-toi un peu. À droite, à gauche, les laisser en fait dans différentes régions, comme ça si jamais on tombe à court, on peut toujours tomber sur une lampe qu'on a laissée dans une région. Surtout dans les régions quand il y a... Oh putain, il y a le vent. Surtout dans les régions où... C'est à droite ou à gauche qu'il faut aller chez à droite, hein, je crois. Dans les régions où il y a des grottes et tout, j'aime bien laisser les lampes. Ah, mon dieu, allez. Il souffle comment le vent là? Droite ou gauche? Aïe 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 aïe. Il souffle exactement où je vais, c'est bien. Parfaitement. Enfin bref. Donc ouais, faites le plein parce qu'on va avoir... donc la nouvelle région avec plein de mines. Donc j'imagine qu'il va falloir plein de fuel. Et je vais être franc, si vous avez pas la lampe rouge comme moi, ça va être une galère. Honnêtement, j'avoue que je suis assez content d'avoir donc cette lampe. J'ai un raccourci normalement. Donc je suis assez content d'avoir cette lampe là, parce que du coup elle consomme, on avait dit quoi, 40% moins je crois, de fuel. Et ça, ça va vraiment 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 aider. Ça va vraiment vraiment aider. Donc ouais. Par contre il y a un truc qui m'embête, c'est que je crois pas que je peux remplir un jerrycan. Enfin si, techniquement on peut, je sais qu'il y a même des gens qui me l'ont répété, mais je l'ai toujours dit. Gardez les jerrycans, essayez de pas les vider. Et vous prenez le jerrycan avec vous quand vous faites cuire du poisson. Comme ça quand vous récupérez en fait le fuel, ça va directement dans le jerrycan. Mais bon, après, ça fait des petites bouteilles si jamais vous n'avez pas de jerrycan. C'est pas très... Enfin, c'est du pareil au même dans un sens. Mais bon, moi, j'aime bien le fait d'avoir un jerrycan d'essence. Mais c'est vrai qu'on peut pas transférer d'un jerrycan à l'autre. Il existe des mods pour ça. Donc, à la limite, ça serait une bonne idée d'en utiliser un, de faire un transfert et après d'enlever le mod. Comme ça, vous pouvez partir, en fait, avec un... On va allumer parce que... Comme ça, vous pouvez partir avec un jerrycan plein, si vous voulez être un peu dans le délire. Mais ouais, on va devoir sûrement partir dans la nouvelle zone avec jerrycan et tout ça, quoi. Ou alors beaucoup de torches. Bon, c'est 0,30 lune à chaque fois, les torches. Mais des torches à 100%, évidemment. Je vais pas fouiller tout ça, hein, parce que... Bah non, mais de toute façon, on n'est pas encore dans les zones. On est déjà passé plusieurs fois ici. Donc ouais, je pense que ça c'est la meilleure préparation que vous pouvez avoir. Et alors on sait pas encore s'il va avoir le puma. On n'est pas encore certain. Ils disent qu'il va avoir des nouvelles menaces en fait. Des nouvelles choses, des nouvelles menaces dans la nouvelle zone. Mais il y a le travois aussi. Alors personnellement je pense que les gens disaient que ah, c'est quelque chose qu'il faut crafter et tout ça. Moi j'étais pas vraiment certain de ça. Moi je disais plutôt, enfin il y avait deux écoles comme d'habitude. Il y avait où on craft ou on le trouve. Moi personnellement je pense encore une fois que ça va être quelque chose qu'on trouve. Mais bon, on verra ça. Et
Si jamais il y a le puma, le cougar là, je dirais d'y aller avec le gilet pare-balles peut-être. Potentiellement. En tout cas, on verra. On verra. Si quand ils l'annoncent, quand ils vont l'annoncer, on va aller directement à gauche. Quand ils vont l'annoncer, ils vont sûrement le dire et tout ça. Donc on saura. Je pense que je prendrai le gilet pare-balles. Le gilet pare-balles est un peu lourd, hein, bien sûr, mais ouais, je pense que ça sera utile pour survivre. Parce que si le machin il est aussi puissant qu'un ours ou qu'un élan, mais vous rajoutez à ça la vitesse aussi, parce qu'en théorie c'est des animaux super agiles et super rapides. Donc en théorie oui, on devrait être dans la merde. On va vraiment se faire boulotter les fesses quoi. Donc ouais, non, le gilet pare-balles, je crois que ça va bien nous aider. Donc on le prendra, je pense qu'on le prendra. En tout cas, moi c'est, comme je l'ai dit plusieurs fois, hein, je suis content d'avoir fait les lieux importants, mais on prendra. Le matériel le plus important, ça va être la lampe rouge, du fuel et le gilet pare-balles. Bien sûr, on va y aller avec. En fait, là, j'étais plus ou moins prêt. Je crois que l'arc, j'ai encore un vieil arc. Je vais pas m'arrêter maintenant, mais je crois que j'ai un arc avec des pourcentages un peu bas. C'est parce que je voulais me préparer, chasser en fait au lac Mystère. Mais ouais, il faut y aller avec un arc à 100% et tout ça, quoi, évidemment. On ira avec une vingtaine de flèches. Aussi, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Le sac de couchage et le sac de couchage normalement. J'ai le duvet là, le petit. J'ai le duvet amélioré que j'ai réparé en plus. Donc tout ça en fait, je vais abîmer mes vêtements et tout juste pour rien en fait. C'est pas grave. Mais ouais, et on prendra du coup, on reprendra celui du loup, de l'ours, pardon. Comme ça, on sera un peu plus protégé et tout ça. Attends, j'ai équipé mes... Oui, ok, c'est bon. J'avais peur que... De pas avoir... d'avoir équipé les crampons. Bah, de toute façon, les crampons, on les entend quand on marche. Donc ouais, faudra bien se préparer. C'est ce que je conseille quoi en gros, c'est de bien se préparer avec tous ces objets-là. Et vous aurez une bonne chance de survie. Le mieux ça va être de découvrir la zone. Moi j'adore découvrir les nouvelles zones. Quand on est super bien préparé de découvrir les nouvelles zones, c'est fun. Super fun. Je me rappelle encore quand j'étais allé au Canyon Descent. Canyon Descent, je crois que c'est une de mes meilleures découvertes que j'ai faites. Que j'ai faite parce que en fait j'ai mis longtemps à trouver la mine où il y avait le sac technique là, et c'était un peu par hasard où j'avais fait plus ou moins le tour et tout ça, et j'étais en déduction, je me dis ah ça doit être là et tout ça, et j'en avais même parlé pendant les épisodes. Je me suis dit on va faire un tour là, je pense que c'est là parce qu'on a fait ça ça et ça, et j'avance et tout, et en contrebas on aperçoit des trucs et je me dis on dirait une mine et tout. Puis après, on se déplace et on voit que, genre, il y a des petits chariots et tout ça de mines, quoi. Et je me dis, non, mais ça doit être là. Et c'est là qu'on trouve un emplacement pour mettre une corde et tout. Et après, on a mis la corde et on est descendu. Et puis voilà, quoi. C'était super fun. C'était super, 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 super fun. Donc ouais, découverte de nouvelles zones quand on est bien équipé, c'est vraiment fun. Alors, une seconde. On n'a pas vraiment besoin de faire ça comme ça, mais c'est pas grave.
On va avoir une grosse mise à jour. Hein. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo que j'ai faite, on va avoir une grosse mise à jour. Là, vu que c'est un... Je suis désolé, mais vu que c'est un endroit que j'ai déjà vu, je parle beaucoup en fait de mise à jour et tout ça, du coup. C'est un peu comme genre farm et discussion, sauf que là, c'est dans un épisode normal. Mais bon, ça, c'est parce qu'on a perdu les épisodes. Ça arrive. Mais voilà, donc... la mise à jour va être énorme. Donc là, on a une voiture. La mise à jour va être énorme. On a même... genre, les vêtements vont se voir sur le personnage, genre sur les mains du personnage et tout ça. Ce qui veut dire aussi... beaucoup de risques aux bugs. Bon, encore une fois, ok, on est dans, c'est toujours Interland. Alors, ils ont dit qu'ils avaient bossé, ils ont plus de 150 bugs fixés. T'es sérieux, là? Putain. Vous imaginez 150 bugs fixés sur un jeu qui est aussi petit, quand même, parce qu'il est pas très très grand. Par contre, là, c'est chiant de le combattre sur le pont, parce qu'avec les rayures, j'ai du mal à voir la distance, en fait. Je sais pas pourquoi je viens là. Et... du coup, 150 bugs, c'est énorme. Et vous imaginez que, du coup, avec la nouvelle mise à jour, il y a de la place, en fait, pour avoir du bug. Donc, voilà. Faites attention à ça. Comme je dis toujours, faites un backup de votre sauvegarde. Et potentiellement attendez avant d'y jouer. Bon, ça c'est encore un loup qu'on avait tué. Ouais, attendez avant d'y jouer. Ne faites pas trop de choses. Parce que voilà. Donc là c'est un camp. C'est pas mal comme camp. Donc on a une voiture et tout ça. Deux voitures. J'avais mis du bois et tout. On a du loup encore. On a ça. J'avais dessiné. On va rentrer. Donc ouais, faites attention à ça. Alors, on est là. J'avais pas mal dessiné la carte. Elle est pas très très grande en fait. Je crois que ça, c'est à peu près tout. Ah tiens, j'ai pas dessiné les... C'est marrant, les entrées, elles se mettent pas dessus. Parce que là, il y a une grotte normalement. Et là, c'est d'où on vient. C'est bizarre, il n'y a pas les entrées. Je me demande des fois si c'est pas toujours buggé ça. Ça devrait mettre les entrées et tout. Tu sais, vous savez, les grottes et tout. Enfin bref, c'est pas grave. Donc on a un établi, c'est vachement bien. On avait trouvé des bois aussi, des boyaux et tout. Donc ça, c'est sympa. Honnêtement, c'est un bon camp. Et vous avez pas mal de choses à faire, en fait, autour. Vous avez pas mal de choses à faire. Donc on a des petits lapins qui se baladent, mais on a aussi des loups. Donc faut faire gaffe. Donc ça, c'est le côté Milton, si je dis pas de conneries. Mais qui... Il y a un pont, en fait. Il y a un tunnel, mais il est détruit, si je me rappelle bien. Voilà. Alors, le tunnel, il est un peu chelou, je sais. Ouais, on va dire que ça manque un peu de texture sur le côté. Je sais pas pourquoi... Hein ? Enfin, voilà, quoi, Interland, hein. On dirait qu'il y a une grosse ombre, en fait. Mais voilà. Donc, 1000 tonnes, mais c'est détruit. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc, voilà. On va peut-être un peu courir, parce qu'on n'est même pas fatigué. Ça va être la fin de journée. Je dois bien dormir, et après, on continue. Normalement, je crois qu'il y avait un cerf, là, mais j'ai tout pris. Je crois. Hein. Donc, ouais, je suis assez impatient. Comme j'ai dit, j'ai repris un peu le goût de Long Dark. On va dire que le côté tout buggé, tout ça, c'est... Bon, je l'ai mis un peu derrière moi. Et je suis assez impatient de voir les nouveautés, la nouvelle zone et tout ça, et le travois. Il y a toujours un truc qui me fait rire, c'est quand j'ai dit à tout le monde, ouais, vous allez voir le travois, c'est juste un truc qu'on équipe et hop, basta. Genre, ça va être...
ça va être ça. Là, en haut à gauche, là, il va avoir écrit plus 25 au lieu de 15, par exemple. Et c'est tout. Et les gens ont pété un câble quand j'avais dit ça. Et si jamais c'est ça... ça va être drôle. Ah, je pourrais faire comme d'habitude et dire... Ah, je vous l'avais dit, hein. J'avais raison. La zone est plutôt sympa ici. J'aime bien, elle est jolie. Je vous l'avais dit. Alors, les barils sont vachement bien. C'est que 20 minutes pour deux bouts de bois de récupération et un de ferraille. Honnêtement, c'est super bien. Parce que la ferraille, c'est quand même un peu compliqué à récupérer. Là, on a des voitures aussi. Et deux bouts de bois de récupération pour 20 minutes, c'est très très potable aussi. Mais bon, il faut une hache à chaque fois. Là, on a en bas, donc on a une petite cabane pour la pêche, qui est pas mal. Il y a des massettes, quelques massettes tout le long aussi. Donc c'est encore une fois pas mal. On a encore des loups. On peut aller à droite ou à gauche. On va aller à droite. Il fait encore bon et tout, j'ai pas froid. Faire attention au virage. Non, c'est une voiture, ça. Droite. Se baisser. Ah, très bien. Oh mon dieu! What the fuck? Je l'avais jamais ouvert le capot. What? Ah bah pas mal ça. Pas mal ça. Ah. Là, je crois qu'il y a un cerf ou un truc comme ça. Ah, mais c'est un loup que j'ai sûrement tué. Ah, elle est pas mal, celle-là. Et des bois. Huh. Ah bah, du coup, si jamais on a une batterie à prendre, on sait où aller. Ah, je vais peut-être la... Peut-être aller la récupérer. Ouais. Je la ferai plus tard, hein, parce que sinon on va se taper une batterie et tout, ça va être chiant. Ah la vache, oh le truc complètement au hasard. C'est genre le seul capot que j'ai laissé fermé, que j'ai pas vérifié, il y a une batterie dedans, quoi. C'est énorme. Bah, vous voyez, ça vaut le coup d'être retourné. Là, il y a un éboulement avec les... Genre comment les trucs ont pu se retourner. Parce que, vous voyez, genre là, vous voyez les choses qui n'ont pas de sens. Attendez, parce que lui, il nous fait chier. Ça, c'est un exemple de comment ne pas faire vos niveaux, ok? Regardez, ça, c'est un exemple. Est-ce que vous voyez un pont au-dessus? Est-ce que vous voyez une sorte de pont où les véhicules auraient pu tomber? Non. Alors, comment les véhicules se sont retournés comme ça? Vous voyez? Parce que ça, en fait, c'est une route. Ouais, c'est une route. Donc, en théorie, c'est la route. Et l'éboulement, bah, il est tombé sur la route. Donc, comment ils ont retourné les véhicules? Vous voyez, ça n'a pas trop de sens, en fait. La façon dont les véhicules sont détruits. C'est un peu étrange. Donc, ce sont des choses comme ça, quand vous faites vos niveaux. Essayez d'avoir une certaine logique, en fait. Parce que là, il n'y en a pas, en fait. Faut faire gaffe parce qu'il y a des endroits de la glace qui cassent, hein, je crois bien. Genre surtout là-bas, là, en fait. Parce qu'il y a un trou, et si vous approchez trop du trou, je crois que ça commence à casser. Ah, je suis surpris de la batterie, hein. Ça fait... fou, la vache, ça fait un moment qu'on n'en a pas vu sous un capot, hein. Ouais, faudrait que j'aille la récupérer, la batterie. Je la récupérerai, je la mettrai au lac mystère. Enfin, après, peut-être qu'on n'en a pas besoin...
On a peut-être pas besoin. On verra ça. Il y a un passage là. Je l'avais pas pris, je sais pas exactement où il mène. Je crois qu'il mène sur la glace en fait. Mais on va voir un peu. Ouais, en fait, c'est juste que ça fait le tour, quoi. Ouais, non. Ouais, c'est pas très utile, en fait. À la limite, non, si, ça peut être bien pour esquiver. Oui, parce que vous pouvez venir par là, en fait. Ouais, ouais. Parce que ça peut être bien pour esquiver des loups, par exemple. Si vous avez plus de flèches, ou alors vous voulez tout simplement pas combattre. Vous pouvez, du coup, faire le tour, en fait, pour esquiver. C'est toujours utile. Ah, la batterie, quoi, j'y crois pas. Alors, ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dormir ici. Voilà. Il est joli, hein, quand le duvet, le sac duvet, là, il est complètement neuf. Hein. Vraiment sympa. Hein. Genre là, il a été ouvert, en fait, rembourré, puis après refermé et tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici. Ça va être un épisode un peu plus court que d'habitude. Comme j'ai dit, hein, vu que c'est plutôt du tourisme, ce qu'on est en train de faire. Du coup, bah, ça va un peu plus vite que d'habitude. J'avais plein de massettes. Donc on va faire ça. Et après, on va faire donc un deuxième épisode. Donc ça va être plus ou moins la même chose, une trentaine de minutes. Et on va visiter en fait la deuxième partie de l'endroit. Ouais. On va faire comme ça. Encore une fois, désolé, c'est des épisodes un peu courts, mais bon, quand on a déjà vu la zone, il n'y a plus vraiment de perte de temps en fait à fouiller. Donc ouais. Ouais, voilà, on va faire deux épisodes un peu plus courts pour ce week-end. Ça va être comme ça. Je vous retrouve pour le deuxième épisode. En tout cas, c'est une très bonne petite zone en fait à venir et à farmer. Vous pouvez rester quelques temps. Par contre, évidemment, je conseille d'avoir un bon skill pour la chasse et potentiellement pouvoir manger en fait de la viande de loup. Parce qu'il y a beaucoup de loups comparé aux cerfs et aux lapins et tout ça. Il y a beaucoup plus de loups en fait. Et il y a des... En fait, c'est des couloirs la plupart du temps, donc vous pouvez pas ne pas les combattre. C'est très très limité en fait, vos déplacements, donc du coup c'est très très compliqué à les esquiver. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao. Et on va dormir le maximum. Ciao.